Moi, c'est Nina. Je suis un vide-poche, meuble utile, mais qu'on oublie assez vite. Ouais, je pensais qu'on était très proches avec Julie. Je connais tous ses potes, tous ses amants. Malgré cette complicité, elle a quand même pris la décision de me dégager. Je vous appelle pour prendre un rendez-vous pour me débarrasser d'un meuble. Il est un peu cassé, est-ce que vous le récupérez, s'il vous plaît ? Il y a eu deux gaillards qui m'ont embarqué dans un camion et je me suis retrouvée dans un hangar immense entouré d'autres meubles, orphelins comme moi. Très rapidement, j'ai bien compris que Vincent et son diable allaient me redonner bonne mine. Mais je ne m'attendais pas à un tel lifting. J'ai été décapée à l'aide d'une aérogommeuse de la tête aux pieds. Une fois totalement mise à nu, Vincent m'a déposée dans la menuiserie. En plus de changer de tête, j'allais changer de fonction. J'allais devenir un meuble de salle de bain. Donc pour l'idée de ce meuble, on a été au dispatching, on a trouvé... j'ai vu ce meuble et je me suis dit que c'était possible de faire un lavabo avec. Donc on avait un marbre de côté déjà qui correspondait aux dimensions. Et donc du coup, je l'ai passé... à la sableuse, et voilà, après deux trois boutons en porcelaine et voilà, un coup de chiffon, ça repart en vente. Alors, prêt à m'adopter ?